all the wind's wings, they did darken the sky. His roar, furious fire, and his scale sharpened sighs. Men ran and they cowered, and they fought and they died. They burned and they bled as they issued their cries. Dovahkiin, Dovahkiin, nalosin los varin, wadai pokul mafera kastwa. Arkvin norok palgran fod nus hon sin drosan, Dovahkiin fachin kogan mudra. We need saviors to free us from Alduin's rage. Heroes on the field. Bon, on est arrivé dans le terrain où il y a la future pâture. Donc ils ont un peu plus coupé que ce que je pensais, je vous montrerai tout à l'heure. Ça va repousser, on va replanter. Et là du coup, donc ils ont fait des gros tas comme ça, donc on est en train de trier, on coupe un petit peu, on fait ci, on fait ça, et on va tout royer, donc là on a commencé à installer ça. Là, pour le label PEFC, c'est obligatoire de garder des arbres... alors je ne sais plus comment il désigne ça exactement, des arbres habitat, il me semble, voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu là, il y a un pic et pêche, donc on l'entend taper, hier on l'entendait, donc ça ne l'a pas du tout perturbé en fait qu'il y ait des arbres coupés. Comme on a laissé les arbres habitat, ce sont des très très grands arbres, vieux, avec du bois mort dedans, il y a beaucoup de lierre qui fait beaucoup de cachettes pour la biodiversité, et bien ces arbres-là ne perturbent pas la biodiversité en fait, le fait qu'ils restent là. Et là on entend le pic et pêche qui est en train de taper sur l'arbre, même on était à côté hier avec les tronçonneuses, ça ne le dérangeait pas du tout. Surtout que là on a une tronçonneuse électrique, donc elle fait très peu de bruit, et je pense que ça les dérange un petit peu moins. Bon là on va mettre le broyeur, lui il en fait beaucoup. Mais voilà, enfin, c'était pour vous dire que il faut absolument conserver quelques arbres comme ça, refuges, qui vont venir accueillir toute la biodiversité que vous déplacez en fait avec les arbres que vous avez coupés. Il faut qu'il y ait un certain renouvellement, il ne faut pas faire une coupe complètement rase, sinon là vous perturbez énormément le lieu. Bon, j'ai pas pris le micro, hein, donc peut-être que vous allez très mal m'entendre. Si c'est le cas, je vous ferai une voix off, si vous m'entendez, c'est que c'est bon. Là, ce week-end, on a passé notre temps à broyer. C'était ultra fatigant. Je ne vous cache pas que franchement, je suis morte. Abdel s'occupait du broyeur parce que ça avale quand même fort. Je sais pas, je me sens pas à l'aise avec ce truc. Ça me fait peur. En plus, un coup sur deux, ça fouette. Donc vraiment, je peux pas. Ça m'énerve. Donc il était au broyeur et moi j'étais avec la tronçonneuse. La tronçonneuse électrique, je vous la montrerai à l'occasion. Je vous montrerai un petit peu pour le broyeur les choses auxquelles il faut faire attention quand on l'a monté, etc. Parce qu'il n'y a pas de notice. Donc je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai comment on s'organise. Et je vous montrerai la tronçonneuse que j'ai. C'est une tronçonneuse qui est électrique, c'est une Ryobi. Et franchement, moi j'en suis trop contente. On a deux batteries. Et donc du coup, moi personnellement, humainement, je suis fatiguée avant que les deux batteries soient à plat. Donc ça nous fait une journée de boulot facile. On a fait 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, et ça suffit. Parce que après, j'ai pas envie non plus de me tuer à la tâche. Et franchement, en faisant ça, on était déjà bien KO. Donc on a fait ça sur deux jours. Ça nous a fait plein de broyats. Vous voyez que là, il y en a partout. Et on a commencé à l'étaler partout dans le potager. Donc principalement dans les allées. Parce que je vous ai expliqué que j'avais un petit peu peur de la fin d'azote, je ne sais pas quand est-ce qu'elle intervient, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis en priorité dans les allées. Au niveau des pieds, de tous les petits fruits, les arbres, je pense que ça s'en fout de la fin d'azote, ça peut aller bien plus profondément que des petites graines en surface, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, d'autant plus qu'ils sont déjà bien implantés, et puis voilà, si je vois qu'ils sont en carence, je les arrose avec l'eau de la mare des canards qui est blindée d'azote, et ça, il n'y aura pas de soucis. Donc je me suis permis d'en mettre au pied de tous les petits fruits, je vais vous montrer. Donc ici, ça c'est pas la zone de production des annuels, ici c'est quasi que des plantes pérennes, sauf les bulbilles d'ail que je plante en fait au milieu. Donc là en fait c'est que des fraisiers. Donc ça c'est les stolons de toute cette fraiserie qui est ici, que j'ai récupéré. Et à l'automne je les ai mis
dans tous ses buts. Parce qu'en fait, vous savez qu'au bout de 4 ans, il faut quand même changer votre fraiserie d'endroit. Donc je me suis dit que tous les 2 ans, je refais une fraiserie. Comme ça, elle est déjà productive. Plutôt que si je la refais au bout de 4 ans, quand les autres donnent plus, j'ai peur qu'il y ait une année de latence. Donc là, du coup, j'ai déplacé cette fraiserie-là. Et puis du coup, dans 2 ans, celle-là, bah, je l'enlèverai et je la mettrai encore ailleurs. Donc là, c'est de l'ail que j'ai planté à l'automne avec des petits fraisiers. Donc elle a pas mal poussé. J'ai fait deux petites bandes comme ça. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais voilà, ça faisait un paquet. Un là, il y en a là-bas. Et puis il y en a un petit peu ici. Puis je vous montrerai, il y en a d'autres au bout. Et en fait, là, c'est que des raies avec des petits fruitiers. Donc là, par exemple, ça, c'est un groseillier. Hop, ça, c'est BD5 saveurs. Ça c'est des groseilliers, donc ça je les ai plantés cet automne par contre. Groseilliers à macro, ça aussi ça doit être encore des groseilliers à macro et peut-être des cassis. Donc là bien sûr vous voyez rien parce qu'ils sont tout jeunes, ils sont tout petits, mais ça va prendre de l'ampleur et puis après ça remplira bien les allées. Et là vous avez l'impression que c'est qu'un tas de copeaux, mais pas du tout. Comme de ce côté, en fait, c'est là où vous avez tous les arbres. C'est à cet endroit où j'ai décidé de mettre tous mes petits fruits, en fait. Donc, j'avais déjà commencé les autres années, mais cette année, j'ai complété toutes mes lignes. Donc là, j'ai fait des boutures de groseillers. J'ai juste planté la tige. Vous voyez, paf, je l'ai plantée dans la terre, là où je voulais mon pied. Et j'avais fait... donc, en fait, j'en avais mis plus. Vous voyez, il y en a un là, un là, un là, un là. Ils sont quand même assez serrés, mais je pensais pas qu'ils allaient tous prendre. Et en fait, vous voyez... Hop, attendez. Tac. Ils ont vraiment tous pris... Ils ont tous des petits bourgeons qui sont en train de s'ouvrir. Donc ça a tous... ils ont tous marché. Donc bah, c'est pas grave, je vais les laisser comme ça. C'est pas grave s'ils sont trop serrés. Je me suis rendu compte dans un pot que j'avais acheté il y a 4 ans à Jardiland de groseillers Gloire des Sablons. Je l'ai déplacé parce que là où je l'avais mis au départ, c'était vraiment trop à l'ombre, il se plaisait pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces petits malins, quand ils vous vendent le pot, vous avez l'impression qu'il est gros. Mais en fait, il y avait 4 groseillers différents. 4 pieds différents, donc ça pose pas de souci en fait que vous mettiez plusieurs boutures les unes à côté des autres pour faire un gros pied. C'est ce qu'ils avaient fait. Du coup moi j'ai divisé les 4, ça m'a fait 4 nouveaux groseilliers. Voilà. Ensuite, donc ça, donc là ensuite il y a du persil. Donc en fait il faut imaginer que l'allée elle est ici. Après ça se verra mieux les allées. Mais là pour pas m'embêter après avec la mauvaise herbe qui repousse, pour l'instant j'ai tout rabattu là. Puis après je l'enlèverai. Voilà. Ici c'est pas de l'herbe. Ça c'est des petits. Ça c'est de la fine herbe en fait. Que de la fine herbe que j'ai divisé aussi à l'automne. J'avais mon pied mère qui était de l'autre côté. J'ai pris un bout du pied mère et puis j'ai divisé quoi en fait. Comme si c'était des. Les racines, ça faisait comme des cheveux. J'ai fait des petites portions grosses comme ça de racines. Et voilà. Et j'en ai fait une petite ligne sur 2 rangs. Ça c'est pour mettre dans notre fromage frais parce que je trouve qu'avec la fine herbe c'est vraiment meilleur. Mais j'en avais pas assez du coup. Donc là j'en ai beaucoup plus. Donc là on a des pommiers, des framboisiers, plein de petits fruits en fait. Groseillers, ça c'est de la menthe en arbre je crois. Voilà, donc là c'est vraiment l'endroit où il y a tous les petits fruitiers. Là c'est encore des cassis. Ça c'est encore un groseillier, ici on a un poivrier du Tibet. Et là de l'épine vinette. Voilà, donc ça c'est... Et là on a le pêcher, donc en fait on a tout regroupé dans ces grosses plates-bandes. Qui sont plus larges que les plates-bandes de culture annuelle, parce que les cultures annuelles s'enherbent plus vite vu que je paille pas en permanence dessus pour semer, je dépaille, etc. Donc j'ai besoin en fait que mon bras puisse passer facilement au milieu. Et là en fait sur ces trucs vachement larges, c'est pas très pratique pour le bras. Donc il faut pailler en permanence. J'ai laissé aussi des petites touffes de petites violettes au pied. Ça fait mignon. Et surtout mes abeilles, là en ce moment elles y sont bien dessus. Voilà, ça c'est de la ciboule, c'est si vous voulez un peu comme de l'oignon mais perpétuel quoi. Donc là on a les épinards qui n'ont pas gelé, donc là je vais les laisser monter en graines. On a déjà mangé 2 fois sur celle-ci, donc on va les laisser monter en graines pour récupérer puisque celle-là en fait je ne les ai pas couvertes du tout. Je ne sais plus du tout quelle variété c'est, alors j'hésite entre la butterfly ou la géant d'hiver. Et donc cette épinard elle a survécu au moins 8 sans être abîmé du tout, alors que je n'avais pas couvert, pas mis de voile d'hivernage, rien du tout. Et donc voilà, je me dis que c'est une bonne épinard. Après ça c'est des petits poireaux, mais je les avais semés tard. Et du coup, voilà, ce que ça donne quand vous plantez dans vos dattes, bah, ils sont tout petits, mais c'est pas grave. Vous en prenez 10 à la place de 2 poireaux, et puis ça vous fait quand même votre repas, c'est aussi bon, c'est pas grave.
Ensuite, là, on a mis de la tonte parce que c'est que des trucs de feuilles. Parce que ça, c'est que des types de salades de choux et tout. Donc, il faut pas de fin d'azote, du coup, pour le coup. Donc là, on a mis de la tonte. En plus, en ce moment, ça tombe bien puisque les herbes n'ont pas de graines. Hein, donc, la tonte que vous mettez est vraiment de super bonne qualité et ça va pas repousser après plein de nouvelles petites herbes à cause des graines que vous aurez emmenées. Donc, voilà. Là, il a tondu aujourd'hui devant la maison. Donc, c'est pour ça que l'herbe est bien verte. Après, elle va jaunir. Vous verrez mieux les plantes. Mais là, on a de la moutarde Mizuna. Ça, c'est de la moutarde, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-ci, la pourpre Osaka, peut-être, un truc comme ça. Ça doit être du choucal. Là, c'est de la bourrache. Je l'ai fait pour les abeilles, mais nous, on la consomme pas. Hein. Je trouve que les feuilles sont vraiment dures, hein. Même les jeunes feuilles. Puis on a tellement de petits trucs comme ça bien meilleurs qu'on ne s'amuse pas à manger la bourrache, mais je la laisse pour mes abeilles. Et puis là, c'est l'ail aussi que je vous ai montré là-bas. Je l'ai planté en même temps. Voilà. Et là, c'est des petites chicorées, scaroles, il me semble, qui n'ont pas très bien poussé. Elles, par contre, elles se sont ramassées le gel et elles ont souffert. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, si après, elles vont repousser un petit peu plus. Et puis voilà, là-bas, on a d'autres petites moutardes japonaises qui se mangent en salade, en jeunes pousses, c'est très bon. Et de l'ail. Ils sont beaux comme tout, comme couleur, je trouve. T'es jolie, toi. On leur a mis un petit panneau chauffant, vous voyez. Parce que la lampe, ça suffisait pas pour la nuit. Ça descend bas dans le garage, quand même. Donc, on leur a mis ça pour qu'ils soient beaucoup mieux. Je les perturbe, là. Tac. On a un sixième mouton. Tu broutes, Mimi ? Tu te purges pour le printemps ? Et voilà, donc là, c'est tous les arbres que j'ai sélectionnés pour garder, plus ceux de la pente, plus quelques-uns que la forestière a elle aussi sélectionnés. Donc vous voyez qu'il reste quand même pas mal d'arbres, hein. Avec juste l'éclaircie plus la coupe en bas. Regardez tout ce qu'ils ont sorti. Donc il y a beaucoup, hop, je vous zoome. Voilà tout le bois qu'ils ont sorti. Malheureusement, il y en a beaucoup pour le papier puisque c'était des arbres de mauvaise qualité. Mais il y a quand même eu un peu de bois de chauffage et un petit peu pour de la palette avec le Douglas qui n'était pas d'assez bonne qualité pour pouvoir faire des poutres. Donc, que je vous explique vite fait si vous connaissez vraiment rien du tout au bois. Suivant la qualité du bois, en fait, ils vont le classer et ça ne sera pas facturé au même prix. Par exemple, tout ce qui est pour le papier, moi là, ils me l'ont racheté à 3 euros du ster, ce qui est vraiment pas grand-chose. Hein. Bon, il y en a qui rachètent un petit peu plus, un peu plus, mais comme moi, je travaille avec eux pour, comme je travaille avec eux pour la replantation des parcelles du haut, là, ben, du coup, j'ai continué avec eux. C'était pas ceux qui achetaient au meilleur prix, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là, tout ce qui est pour la pâte à papier, c'est ce qui fera vos feuilles, ce qui fera vos cartons. Tout ça, c'est le label PEFC, parce qu'on a gardé plein d'arbres et plein d'arbres habitat. Donc, on a le label PEFC. Donc, ça va vous faire vos feuilles. Donc, ça vous fait vos feuilles, vos cartons. Ensuite, le Douglas là-bas, qui est tout au bout, les gros rondins qu'on voit tout au fond. Ça va vous faire des palettes. Et le reste, c'est le bois de chauffage. Le châtaignier se rachète pas très bien en bois de chauffage. Enfin, personne n'en veut. Donc en fait, il est parti en papier. Et ce qui est parti en bois de chauffage, c'est le hêtre et le chêne. Et ces gros arbres comme ça, là, on peut rien en faire. C'est, vous voyez, c'est des arbres qui étaient un peu pourris. Et qui sont tout tordus, voilà, qui ne les intéressent pas. Ça part aussi en pâte à papier. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup en quantité. Et avec tout ça, donc je vous ai fait une vidéo où je vous avais dit que j'avais acheté les 4,2 hectares pour 4000 euros. Plus j'ai eu 600 euros de frais de notaire. Et là, avec rien que le bois de l'éclaircie, j'ai à peu près 3250 euros de bois qui vont me donner en fait. Ils me donnent cet argent en échange de ce bois vendu. Donc là, j'ai quasi remboursé mon achat en fait. C'est quasiment comme si j'avais eu le terrain gratuit. Donc là, je vous mets un autre plan. Donc on voit quand même qu'il reste heureusement pas mal d'arbres. Qu'il y a toujours cette forêt. D'ailleurs, on entend là, je vais essayer de me taire.
on entend encore beaucoup de petits oiseaux. Je vous ferai les insertions aussi. Avant-hier soir, il y avait 6 cerfs. Donc dans la brume, c'était magnifique. Alors bien sûr, le soir dans la brume, avec mon téléphone, c'était pas ouf la qualité. Mais imaginez-vous ce que j'ai vu en vrai, quoi. Et voilà, donc là ça fait vraiment trop bizarre. Donc bien évidemment pour moi l'intérêt là, c'était pas de couper des arbres. Moi ça me fait même un peu mal au cœur. Mais l'intérêt c'était de faire rentrer de la lumière là-dessous. Parce qu'en fait ici là c'était que des houx qui poussaient dessous. Il y avait très peu d'arbres. C'était des arbres, les gros arbres il y en avait qui étaient dangereux, etc. Donc je pouvais pas mettre les animaux dessous. Donc voilà, là maintenant on va pouvoir faire quelque chose de bien. Alors bien entendu là ça vous fait trop bizarre, vous voyez ça, c'est un massacre à la tronçonneuse, c'est le cas de le dire. Mais il faut imaginer quand toutes les branches seront bien rangées d'un côté ou alors passées au broyeur et qu'il va y avoir de l'herbe ou des jolis buissons, des petits arbres fruitiers, etc. un petit peu partout, là ça commencera à ressembler à quelque chose, quoi. Voilà. Mais d'ici on se rend bien compte de l'ampleur de la tâche à accomplir, je pense, sachant que nous on a déjà mis 2 jours pour faire la moitié d'un petit tas. Enfin c'est des gros tas comme ça, là on a mis 2 jours rien que pour faire la moitié d'un tas. Sachant que là des tas, il y en a presque, pas des centaines, mais presque, quoi. Il y en a vraiment beaucoup, des tas de branches. On pourra pas faire tout ça, il faut se rendre à l'évidence. Je pourrais pas physiquement tenir, sachant qu'on a que 6 mois pour le faire, parce qu'après bah, le bois il sera trop sec, quoi. Donc voilà, on a beaucoup de pain sur la planche, j'espère qu'on va y arriver. Et après bon, faut que j'arrête de me mettre la pression, si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Il y aura un roncier à la place, et puis ça sera pour la biodiversité. Faut que j'arrête de mettre la pression. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse parce que on est très fatigué. Là, franchement, je commence à accuser le coup. Donc, ça devient un peu éprouvant physiquement et puis aussi mentalement parce qu'on se dit qu'on va peut-être pas arriver à faire exactement ce que j'avais dans ma tête, quoi. Et surtout, je me dis qu'il va falloir que je délègue. Donc, on avait déjà décidé de déléguer pour la clôture. Mais je pense qu'on va aussi déléguer pour autre chose, quoi, de demander de l'aide, pour au moins pousser quelques branches, on verra.